Bonjour à tous, merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là, tout le monde attend cette rencontre depuis des jours. On ne parle que de ça ici, dans les journaux, au café, entre collègues. On va vivre un très beau match de football. Ce stade est superbe, c'est émouvant de se retrouver là. Et on rentre dans le vif du sujet. Ben Arfa. Il cherche la profondeur. Il est passé. Sabali, le centre. Ce sera donc un corner. Premier corner dans cette rencontre. Oui, il y avait bien faute. On voit beaucoup de jeux sur les ailes. Sans rire. Oui, mais il me chambre l'anglais. Mais j'ai raison ou pas? Oui, bien sûr. Mais c'est normal, quand vous êtes face à une défense regroupée dans l'axe, sur les ailes, ils ont plus d'espace, plus de temps pour trouver la bonne solution. Voilà tout. C'est clair avec vous. Une très longue passe. Otavio qui récupère ce ballon. Avec Ben Arfa. Bordeaux. Ben Arfa! Côté. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Werner. Ça joue long, vers l'avant. Dans la profondeur. L'interception, bien joué. Bon service dans la profondeur. De Préville. Il était bien présent. Bordeaux, qui a l'avantage de la possession, mais ne parvient pas pour l'instant à se montrer vraiment dangereux. Il cherche la profondeur. Ce contre peut très bien aller au bout. La frappe, attention! Oh, ça rentre! Oh, un but vraiment incroyable! Mais c'est magnifique! C'est presque scandaleux d'avoir autant de talent! Ouvert le score. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Ben Arfa. Otavio. Quelle occasion, attention! Oh, mais quelle parade! Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Dégagé loin. L'ouverture lumineuse. C'est joué dans la profondeur. Un long ballon vers l'avant. Pour filer droit au but. Otavio. C'est bien donné. Il y a peut-être Maja. Parade super! La parade spectaculaire! Et voilà une façon de faire briller le gardien! Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Les deux équipes regagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Même s'ils ont pris du retard, il ne faut surtout pas paniquer. Il faut rester solidaire. Le match est loin d'être terminé. Coup d'envoi de la seconde période. Bon, je vais faire un peu mon captain obvious, mais il reste encore toute une mi-temps. Il n'y a pas de quoi s'affoler non plus.
Ben Arfa. Pazic. C'est une occasion, ça! Pas de chance sur ce coup. Turner. Il décide d'allonger le jeu. Bonne interception, il y avait danger. De Préville. Et le ballon continue de lui coller au pied. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. C'est vraiment un joueur complet. Il est capable de tout en dire. Otavio. En profondeur, ce ballon vers Ben Arfa. Ben Arfa, c'était presque au fond. Ben Arfa adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. Il allonge vers l'avant. Long ballon dans le sens du jeu. Il écarte, ça joue long. Otavio. La relance côté droit. Dites-moi, Darren, votre sentiment sur cette rencontre. Ils sont toujours menés au score, mais avec un peu plus de réussite, je sens qu'ils peuvent encore... Ben Arfa ! Ils sont passés tout près d'égaliser. Il avait tellement envie de marquer qu'il a peut-être un peu forcé son geste. Nîmes qui utilise les forces de son effectif. Son coéquipier est libre. Bonne passe. Ça manque de finition, tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. Fomba. Bordeaux, qui semble à court de temps et d'options, là. C'est vrai que c'est compliqué, mais ils doivent continuer à y croire. C'est joué long. Attention. Voilà une bonne occasion du contre. Dans la surface. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. C'est joué long. Ça, c'est une interception parfaite. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Oh, ça s'est joué à pas grand-chose. Ils auraient pu gagner, mais ils s'inclinent sur la plus petite des marges. Vous savez, après ce but, je me disais qu'ils...